Alors, comment se faire un home cinéma pour pas cher? Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer deux produits qui sont vraiment pas chers et avec lesquels on peut se faire vraiment plaisir. Donc, je vais commencer par le vidéoprojecteur que j'ai commandé sur Gearbest. C'est un site chinois, un peu comme AliExpress. Donc, il s'agit de l'Alpha Wise X. Là, j'ai pris le modèle basique. Il est en blanc et il y a le modèle Android noir. Donc vous l'aurez compris, il y a une sorte d'Android box à l'intérieur. Moi j'ai préféré prendre celui-là parce que j'ai déjà mon Android box. Bon, je vais pas vous faire la présentation, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube pour ça. Donc ça c'est pour le côté vidéo. Bon là j'ai mis ça un peu n'importe comment en attendant de recevoir un écran de projection que je viens de commander. Donc ça c'est pour la partie comme j'ai dit vidéo et pour la partie audio. On a le SMSL AD18. Alors le SMSL AD18, encore il y a plein de vidéos sur YouTube. Je ne vais pas vous le présenter, donc faites des petites recherches. C'est un ampli FDA qui fait très très bien son job, qui est assez puissant. La preuve, j'ai mis des colonnes, des enceintes colonnes, grosses colonnes quoi. Enfin, c'est des Infinity Beta 50 et ça marche du tonnerre. Donc comme je vous ai dit, j'ai bricolé un peu n'importe comment un écran de projection en attendant de recevoir le mien. Et ben, c'est parti pour vous faire une petite démo. Donc vous allez constater la qualité d'image du vidéoprojecteur Alpha Wise X et le son via notre ampli FDA SMSL AD18. Alors, pour le moment, j'utilise ça, mais bon, après, je vais utiliser un ampli Home Cinema Onkyo pour donc les effets surround et tout. Mais pour le moment, j'ai installé ça pour que je puisse envoyer le son via Bluetooth par l'Android Box là. Et bah écoutez, je vais éteindre la lumière pour faire une petite démo. Je vais me placer là où on peut mieux voir. Voilà, c'est parti. Dans cette vidéo, c'est pas l'idéal pour le son. Je vais vous en mettre une autre plus tard. Bah, l'écran, c'est vraiment bricolé, quoi, l'écran. C'est du bricolage. Faire petite avance rapide. Là,
c'est résultat donc de la qualité d'image de l'Alpha Wise. Disons que là on va plutôt mettre un morceau pour voir ce que donne l'effet Messel à dégager. Limite, vous n'avez pas besoin de subwoofer. Bon, de toute façon, il y a une sortie subwoofer prévue pour. Donc, on peut se faire plaisir avec un système 2.1. C'est largement suffisant, je pense. Donc, en bref, pour les petits budgets, franchement, c'est pas mal. L'Alpha Wise, donc le vidéoprojecteur, j'ai dû le payer dans les 130 $, je crois. Dans les 130, le SMSL pareil, 130 $, disons 130 €. Puis voilà, pour moins de 260 € vous avez ça, quoi. Et puis, c'est parfait. Bon, pour le moment, moi j'ai posé ça comme ça, mais je suis en train de préparer une pièce vraiment dédiée à ça. Moi, j'ai commencé avec l'Alpha Wise, c'est mon premier vidéoprojecteur. Bon, je vais m'en servir un petit moment, mais après, je pense que c'est sûr que je vais passer à un modèle, genre un Optoma ou BenQ ou quelque chose comme ça, en minimum Full HD, parce que là, je vous rappelle, c'est du 720, donc HD Ready natif, capable de projeter du 1080 et il peut supporter de la 4K aussi. Jamais essayé ça, mais bon, ça sert à rien de toute façon. En 1080, c'est déjà pas mal. Enfin, déjà pas mal, il ne vous projettera de toute façon que du 720p, quoi. Si je ne m'abuse, c'est du XGA ou quelque chose, WXGA. C'est du 1280 par 800, je crois. Donc voilà, enfin bref. Pour petit budget, franchement, c'est top. Voilà.